Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vous et nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA, mais nous réfléchissons chaque semaine à que vous proposer. Et dans ce numéro, nous referons une rétrospective des moments forts de la dernière CAN qui a refermé ses portes tout dernièrement. Nous reviendrons dans cette édition de Vous et nous sur des jeunes professionnels congolais dont l'industrie cinématographique qui pensent que si le Congo a su développer sa musique au point de compter parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde, son cinéma n'a pas suivi ce même parcours. Vous ne voulez pas rater ce reportage. Une initiative sénégalaise permet au golf de ne plus être exclusivement un sport réservé à l'élite. Comment combattre les stéréotypes de genre à travers le sport? C'est dans notre segment hashtag vous et nous. Et nous lirons certaines de vos réponses, bien sûr. Our wonderful English teacher Michelle Joseph will be here today. Yes. Et oui, vous avez très bien compris, c'est Anglais Express. Mais d'abord, et Kia nous parle d'un festival qui me fait moi rêver. Hein, ça fait des années et c'est en RDC, le festival Amani. Et Kia. Après un an d'absence dû au Covid-19, le festival Amani a pu réouvrir ses portes à Goma devant plus de 30 000 festivaliers. Le but de ce festival, bien évidemment, mettre en lumière des artistes talentueux, mais surtout promouvoir le vivre ensemble dans cette région des Grands Lacs où il y a parfois, comme on le sait, des difficultés. Plus de précisions avec notre correspondant sur place à Goma, il s'agit de Zanen Netizaidi. Durant trois jours, l'enthousiasme était au rendez-vous sur les sites où s'est tenue la 8e édition du festival Amani, qui signifie « Paix en Swahili ». Chants et danses présentés par des artistes venus de plusieurs horizons ont marqué l'événement. Tous, ils prenaient dans leurs prestations le vivre ensemble et la paix. Le public a réagi positivement. Nous avons besoin de cadres où nous allons voir d'autres citoyens pour s'exprimer. Il y a un moment où on ne devrait pas avoir des cadres comme ça, où chacun devrait s'exprimer, où chacun devrait passer un message dans la non-violence. Et donc s'il y a des cadres comme ça, je pense qu'on doit toujours les encourager et on doit toujours encourager à d'autres citoyens de les créer pour qu'ensemble nous puissions construire la paix. La région des Grands Lacs connaît des conflits souvent créés par des accusations mutuelles des pays voisins, des violations des frontières et des soutiens aux groupes rebelles. Cette festivalière pense qu'Amani jouera un rôle de réconciliation entre le peuple à travers l'art. C'est un moment de réconciliation, de paix. Ils réunissent en fait leurs forces, leurs cultures ensemble pour se créer un climat favorable. C'est en fait les gens qui se réunissent autour de l'art, autour de la musique. C'est un moyen pour eux d'oublier les situations, les mauvaises situations dans lesquelles toutes ces régions font face. Au-delà de prêcher la paix, ce festival a joué un rôle de vitrine par excellence pour les petits commerçants qui ont profité de la présence des visiteurs pour écouler leurs produits. C'est le cas de Gédéon, cuisinier des rues, qui lors du festival a montré sa dextérité dans la préparation du maïs grillé, une activité qui a boosté son business. Le festival Amani s'est clôturé le dimanche 6 février. Les jeunes de la région des Grands Lacs qui y ont pris part ont souhaité voir cet événement culturel s'étendre à d'autres villes, non seulement de la RDC, mais aussi des autres pays de la région. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma. Et oui, Ekia, moi je rêvais d'y aller cette année, mais Monsieur Omicron nous a compliqué la tâche. Voilà, se reporter. Peut-être que si Dieu nous prête vie prochainement, nous y serons.
Ouais, et les amis de Goma nous attendaient, mais bon, voilà, vous avez compris si vous êtes en train de suivre cette émission à cause du Covid-19. Parlons au cinéma en RDC. Je le disais en titre, chaque année, dans ce pays au cœur de l'Afrique, les jeunes professionnels et amoureux du 7e art participent à des projections et des formations cinématographiques hein, dans le but d'améliorer leur industrie. Ces cinéastes et d'autres critiques cinématographiques réfléchissent hein, sur la problématique de la relance du cinéma dans leur pays à travers plusieurs ateliers en commission. Ils évoquent souvent l'inexistence d'une structure ou encore d'une culture cinématographique au niveau de la population. Ils énumèrent hein, également essayer de mettre en place des structures qui accompagneraient les productions cinématographiques en RD Congo. Jean-Louis Mafema et moi-même avons parlé avec certains d'entre eux. Suivons ce petit bout. La République démocratique du Congo est reconnue pour ses richesses naturelles et sa place stratégique sur l'échiquier africain et mondial, mais aussi pour sa musique légendaire. La rumba congolaise est dorénavant inscrite au patrimoine culturel de l'humanité. Si le Congo a su développer sa musique au point de compter parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde, son cinéma n'a pas suivi ce même parcours. Après quelques films à succès local, tels que « La vie est belle » de Mwenzenga Ngoura, ce cinéma peine toujours à prendre son élan et à se hisser au niveau des films produits par les pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, certains pays du Maghreb, pour ne citer que ceux-là. Nous nous recherchons en fait. Nous n'avons pas encore une industrie comme chez les autres et nous nous battons. Je pense que je fais partie de cette génération-là en fait qui se bat, qui fait des sens mieux pour faire de notre cinéma une industrie. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire des films. Et je pense que mon apport par rapport au cinéma congolais, ce n'est que faire des films en fait. Merci, monsieur. Les difficultés de tournage et de production ne se limitent pas seulement aux coûts de production, financement ou tracasseries administratives. Ici en RDC, on a un problème de distribution. Il y a pas mal de producteurs, réalisateurs passionnés comme moi qui sont ici à Kinshasa qui évoluent, mais ils ont plusieurs difficultés, se rôdent souvent aussi à la distribution. On réalise, on produit, mais on ne sait pas où vendre parce qu'il n'y a pas de distributeurs ici au Congo pour des films, alors qu'il y a des talentueux. Ici, nous sommes dans une école et non dans la brousse. Malgré toutes ces contraintes, les jeunes réalisateurs congolais restent enthousiastes. Ils rêvent d'un avenir meilleur, s'appuyant sur les nouvelles technologies qui permettent de faire plus à moindre coût. Parce que vous êtes l'avenir de cette grande nation, notre nation, la RDC. Merci pour cette série d'entretiens qui nous rappelle une nouvelle fois l'importance d'être soutenu et d'avoir des moyens, d'autant plus pour le cinéma qui était un excellent vecteur pour faire passer des messages, mais aussi pour nous distraire et nous faire rêver. Qui dit cinéma dit images, techniciens, avec des décors, avec une post-production, avec une préparation, des caterings, des tenues vestimentaires. Ça demande énormément de budget. Et pour avoir un cinéma de qualité, il faut effectivement des moyens. On espère que les jeunes prodiges vont réussir à sensibiliser de façon à ne plus être seuls dans ce combat pour faire connaître le 7e art congolais. On va changer de destination à présent. Figurez-vous que le golf est un sport qui est souvent considéré comme un sport de riches. Et pour cause, pour se rendre sur les terrains de cause, il faut pouvoir donner une certaine somme d'argent. Au Sénégal, une star du golf féminin veut bien déjouer les codes et les normes conservatrices de son pays. Pour en savoir plus, voyez ce reportage réalisé à Sali par Anita Emmerschlag, récit d'Ilidico. Lorsque la golfeuse professionnelle Oumidié a commencé à s'opposer à des hommes, elle se sentait intimidée car ils ne voulaient pas jouer contre elle et ne la prenaient pas au sérieux. Mais quand elle a gagné son premier match, elle a eu confiance en elle-même et a décidé de continuer à faire du golf et de concourir face aux hommes.
Aujourd'hui, étant la seule golfeuse professionnelle au Sénégal, elle joue presque exclusivement contre des hommes. Maintenant, je suis habituée de jouer avec les hommes. Je m'entraîne matin, midi, soir. Je suis à la salle, je fais 3 fois, 4 fois dans la semaine. Donc, c'est ça aussi qui me donne plus de confiance. Oumidiaye est devenue une professionnelle du golf il y a 7 ans. Elle s'est classée dans des dizaines de compétitions à travers le monde, notamment en Thaïlande, au Kenya et en Afrique du Sud. Ses succès sont particulièrement remarquables au Sénégal, un pays conservateur et musulman où les femmes sont parfois découragées de pratiquer des sports, en particulier au niveau professionnel. Quand on est musulman, on préfère toujours garder les filles à la maison pour leur trouver un mari et de rester comme femme de maison. En 2000, la Fédération sénégalaise de golf a accepté d'aider Oumidiaye à créer une académie de golf en vue des Jeux olympiques de la jeunesse prévus au cours de l'été 2026 à Dakar. Ce seront les premiers Jeux olympiques organisés en Afrique. Le projet a été reporté à cause de la pandémie, mais il devrait redémarrer cette année. La joueuse de golf sera chargée de former la toute première équipe nationale du Sénégal avec un accent particulier sur la préparation de la prochaine génération de golfeuses dont sa fille fait partie. Oumidiaye dit qu'elle espère trouver un sponsor afin de continuer à concourir au niveau international et former la prochaine génération de golfeuses sénégalaises. On reste dans le domaine sportif. Vous savez, contrairement à la notion de sexe qui renvoie aux caractéristiques purement biologiques différenciant les femmes et les hommes, la notion de genre se réfère au rôle socialement construit. La conception de la féminité et de la masculinité révèle de constructions historiques, culturelles et symboliques. La question de cette semaine dans hashtag vous et nous que nous vous avons posée, c'est comment combattre les stéréotypes de genre à travers le sport. Et vous êtes nombreux, comme d'habitude, à répondre, mais malheureusement, nous n'avons pas assez d'espace pour lire tous vos commentaires. Alors, on a choisi quelques-unes de vos réponses. On commence avec Kito Biango Roger, qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il dit, il est question de se dire que ce que peut réaliser un homme, une femme peut faire plus que ça. Et donc, il faut donner la chance à tous. Nous avons également le commentaire de Micheline Awa qui est à Yaoundé au Cameroun. Accroître la visibilité du sport féminin permet de bousculer les conceptions traditionnelles de la masculinité et de la féminité. Soumaïla Cissé, Saint-Louis, Sénégal. En tant qu'agent de socialisation primaire, les médias et la télévision ont le pouvoir d'amorcer un changement durable des mentalités. Claire Makengo à Genève en Suisse. Le sport peut aider à l'intégration sociale des femmes et des jeunes filles et entraîne souvent un changement de mentalité chez les hommes. Vous avez des réponses très intéressantes, on apprécie quand vous partagez avec nous vos points de vue. Si vous avez des questions qui vous taraudent et que vous voulez qu'on les pose à nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes, n'hésitez pas à nous faire des propositions. Pour le moment, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester bien installé. On revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Et voilà, il est temps d'apprendre un mot ou une expression en anglais. Si vous adorez l'anglais, comme ce monsieur-là qu'on appelle Roger Muntu, nous allons apprendre l'anglais. C'est avec Michel Joseph, c'est dans Anglais Express, and it's right now. Bienvenue à l'Anglais Express. Nous connaissons tous ce que c'est que la nature ou être dans la nature. Et par définition, la nature englobe tout ce qui fait partie de notre environnement. C'est-à-dire les plantes, les animaux, les montagnes, les océans, les fleurs. Et donc,
que pourrait signifier l'expression suivante? Second nature, seconde nature. Est-ce que cette expression a à voir avec une autre version de notre monde? Écoutons pour mieux comprendre. Jonathan, I just have to say that you are a really good trombone player. Aw, thanks, Anna. I've been playing trombone since I was a teenager. Now, it's second nature to me. Well, it seems like you were born playing trombone. That's what my mom always says. And she's happy I have my own home now where I can practice. L'expression second nature veut dire quelque chose que l'on fait naturellement, automatiquement, sans y penser, parce qu'on le fait si souvent. C'est comme si vous faisiez cette chose depuis votre naissance. What is second nature for you? Qu'est-ce qui est facile ou naturel pour vous? What about speaking English? Is it second nature for you? Ça, c'est une plaisanterie. It's a joke. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci, Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Difficile d'avoir échapper aux différents clichés qui sont sortis la semaine dernière sur la toile de Rihanna accompagnée de son compagnon. Il se baladait dans les rues new-yorkaises. Rihanna avait son ventre rond, un buzz interplanétaire. En tout cas, ça a été commenté, vu des millions de fois. Cela a même suscité l'originalité de nombreux humoristes qui n'ont pas hésité à parodier. Alors, est-ce que les stars aujourd'hui montrent plus leur situation de grossesse? Je ne sais pas. En tout cas, la semaine dernière, c'est au tour d'un artiste congolais d'également annoncer la grossesse de sa compagne à travers, cette fois, une vidéo sur Instagram. Je parle d'Inos B. On se demande juste à présent qui va être le prochain couple à nous annoncer un heureux événement. Toujours dans l'actu, les Oscars, avec la reprise des tournages et la réouverture des cinémas aux États-Unis, les candidats se bousculent cette année pour les nominations aux Oscars, où des films comme Dune, Belfast, West Side Story et The Power of the Dog devraient figurer en bonne place dans la sélection dévoilée mardi. De nombreuses surproductions, dont la sortie en salle a souvent été décalée à cause de la pandémie, se disputeront les nominations les plus enviées du cinéma américain, avec des films indépendants ou diffusés sur les plateformes de vidéo à la demande. Oui, donc moi je suis impatient pour les Oscars de cette année et j'espère que vous aussi vous êtes impatient de voir qui va remporter les Oscars cette année. Et voilà, place à présent à notre segment Spotissimo. C'est avec mon ami et collègue Yacouba. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sportissimo. Nous le consacrons bien évidemment à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Vous l'avez suivi, le Sénégal s'est adjugé son premier trophée dans ce tournoi qui a été présenté comme l'un des plus difficiles de l'histoire de la CAN. Retour sur le parcours d'un champion qui a douté par moments. 4 janvier 2022, Macky Sall remet le drapeau national au capitaine Kalidou Koulibaly et ses équipiers en partance pour le Cameroun. Le président sénégalais en profite pour mettre la pression sur la bande à Sadio Mané, la pressant de rentrer avec le trophée après deux finales perdues en 2002 et 2019. Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. Un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Une mission difficile faite d'obstacles et ce, dès le départ. Pour son premier match contre le Zimbabwe, le 10 janvier, le sélectionneur Aliou Cissé doit se passer de plusieurs de ses joueurs frappés par le Covid-19, dont deux éléments capitaux, le gardien Edouard Mendy et le défenseur Kalidou Koulibaly. Résultat des courses, Sadio Mané et ses camarades souffrent devant les Warriors et empochent les 3 points grâce à un but de leur star sur pénalty dans les arrêts de jeu. Ce but victorieux reste l'unique réalisation des Lions de la Teranga en phase de poule. Les matchs 2-3 contre la Guinée et le Malawi s'étant soldés par des scores de 0-0.
La première nation africaine finit tout de même première du groupe B et se qualifie pour les huitièmes de finale. Pas de quoi apaiser la colère des Sénégalais. Aliou Cissé, en poste depuis 2015, est éreinté sur les réseaux sociaux par des amateurs que compte ce pays, fou de ballon, mais aussi par des professionnels. Il lui reproche ses choix tactiques, son jeu défensif. Le coach Cissé essaie de calmer les invectives avant le match des huitièmes contre le Cap-Vert. Comment faire en sorte que mon équipe retrouve son meilleur niveau? Bon, aujourd'hui, c'est ça qui est important pour moi. Vu qu'on a fait un début assez compliqué. Mais malgré ces débuts-là, le Sénégal est encore là. Le Sénégal est là et retrouve son efficacité. Les requins bleus du Cap-Vert plient 2-0. En quart de finale face à la Guinée équatoriale, le Sénégal confirme sa forme et gagne 3-1. Prochaine étape, le Burkina Faso en demi-finale. Les jeunes étalons donnent du fil à tordre au Lion de la Teranga en première période 0-0. C'est au retour des vestiaires que l'intenable Sadio Mané et ses camarades se lâchent pour venir à bout de leurs adversaires 3-1. Le Sénégal se qualifie ainsi pour la finale et ne peut plus donc se voiler la face. Il faut aller chercher le trophée. Il est important de rester lucide, il est important de penser au jeu plutôt qu'à l'enjeu. Difficile tout de même de ne pas y penser le 6 février, jour de la finale. Quand en face, il y a l'Égypte, septuple championne d'Afrique, avec l'un des meilleurs joueurs au monde, Mohamed Salah. Mais n'empêche, le Sénégal a du répondant à la personne de Sadio Mané. Ce dernier manque un pénalty en début de match, faisant planer le spectre des finales perdues en 2002 et 2019. Mais les garçons d'Aliou Cissé se remobilisent, poussent face aux Égyptiens, qui résistent jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but. Ironie du sort, Sadio Mané inscrit le but victorieux qui propulse le Sénégal sur le toit de l'Afrique pour la première fois de son histoire. Promesse tenue par les joueurs, accueillie par le président Macky Sall à l'aéroport. On avait une mission avant de partir à cette canne-là. C'était de remporter cette canne, c'était un rêve pour nous tous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a effectué. Merci à vous tous d'être restés derrière nous. Le président sénégalais a décoré joueurs et staff. Honneur lavé et retrouvé aussi pour le coach Aliou Cissé, magnifié par son peuple qui commençait à douter de ses capacités à décrocher cette première étoile pour le Sénégal, lui qui avait manqué le pénalty décisif en 2002 face au Cameroun en finale. Il en est sans doute définitivement pardonné. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Sportissimo. On se retrouve une prochaine fois. Au revoir. Merci Yacouba pour ce condensé de cette récente canne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans un an et demi, je serai à la prochaine canne qui se tiendra, comme on le répète, hein, en Côte d'Ivoire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un voyage directement au Nigeria, à Lagos, pour rencontrer une œuvre de bienfaisance qui aide des jeunes dans les bidonvilles en leur apprenant à jouer aux échecs. Alors les échecs, c'est une discipline que j'apprécie beaucoup. Elle permet de travailler la concentration, elle permet également de travailler la stratégie, son rapport avec les autres. Bref, plein de bénéfices avec les jeux d'échecs. Et figurez-vous que l'œuvre de bienfaisance nigériane a récolté pas moins de 100 000 dollars grâce à la personnalité People Paris Hilton. Pour en savoir plus, voyez ce reportage qui a été fait par notre correspondant à Lagos. Il s'agit de Timothy Obiezu, récit Jenny Kapungu-Villa. Arrivé dans les bidonvilles d'Oshodi à Lagos au Nigeria pour une mission importante, le maître nigérian des jeux d'échecs, Tunde Onakoya, et son équipe ont enseigné les échecs ici à Slums Africa depuis 2018. Onakoya dit que l'idée de donner aux enfants une vie meilleure et un accès à l'éducation à travers les échecs. L'une de mes analogies préférées est cette capacité innée d'un pion à devenir une reine. Donc, ça renvoie profondément à ce que nous essayons de faire avec les jeux d'échecs dans les bidonvilles, de montrer qu'au-delà des histoires de pauvreté, chaque enfant a le potentiel de devenir beaucoup plus. Oshodi est l'un des bidonvilles les plus dangereux de Lagos State. Avec une histoire de gangs organisés, de vols armés et de violences de rue, ce qui rend difficile la prospérité des enfants. L'initiative de Onakoya est de changer les histoires négatives avec une pensée et une éducation positive. Il dit que plus de 500 enfants de divers bidonvilles ont bénéficié de son programme Chess in Slums Africa et que l'initiative continue de croître. Ce mois-ci, l'initiative a reçu un boost
quand Paris Hilton, vedette de la haute société américaine et femme d'affaires, a retweeté un avis sur le programme et a rejoint la campagne pour recueillir $1 million pour le projet. Une fois qu'elle a fait cela, Tunde et moi sommes entrés dans beaucoup de réunions. Comment pouvons-nous mettre en place un projet d'ambassadeur mondial maintenant que Paris Hilton l'a fait? Nous pouvons également montrer la capacité d'être ambassadeur mondial auprès d'elle et c'est en quelque sorte la prochaine étape, faire en sorte que nous ayons des ambassadeurs mondiaux à partir de sa collecte de fonds. Pour l'instant, Onakoya et son équipe disent qu'avec plus de fonds, ils élargiront l'initiative Chess in Slums Africa dans le but d'atteindre 1 million d'enfants africains défavorisés au cours des 10 prochaines années. Nous allons à présent parler de l'industrie de la mode qui a toujours eu une relation étroite avec certaines femmes d'activisme social. Mais cette industrie est également considérée comme un domaine avec des consommations excessives. Cela pourrait changer si la loi de New York dénommée Fashion Sustainability and Social Accountability Act ou FSSAA est appliquée. C'est un reportage de Nina Vishneva, récit Blanche Sanou. Elle est si douée pour donner aux vêtements une deuxième et une troisième vie qu'il n'est pas étonnant que Nicole McCollin ait été surnommée la sorcière du recyclage. Cette veste est faite avec des chaussures usagées d'un magasin. C'est très dur, c'est comme une armure. McCollin a rejoint le domaine de la mode du développement durable après avoir travaillé comme graphiste dans une grande entreprise de chaussures. Elle a vu tout ce qui était jeté, d'énormes quantités de tissus, de boutons et de fermetures, des milliers et des milliers de modèles d'essais. Ainsi, McCollin a commencé à sauver tout ce qu'elle pouvait et à transformer les pièces récupérées. Elle a été tellement captivée par le processus qu'elle a décidé de se consacrer entièrement à la mode durable. Sustainable fashion always was kind of like... La mode durable a toujours été envieuse, c'est très peu connu. Si vous ne mettez pas votre argent dans votre environnement et que vous n'investissez pas dans l'avenir, ces marques ne pourront pas durer. Bientôt, l'industrie de la mode pourrait être contrainte à revoir la durabilité une fois que la nouvelle loi Fashion Act entrera en vigueur à New York. Introduite au Parlement régional de l'État cette année, la mesure obligerait les détaillants et les fabricants de mode à être responsables de leurs pratiques en matière de durabilité. Ils auraient besoin d'offrir des conditions de travail transparentes et publiques, quel que soit le lieu de production. La Fashion Act s'appliquera aux grandes marques avec des ventes de plus de $100 million qui font des affaires dans l'État de New York. Les contrevenants pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 2% de leurs revenus annuels et la liste des contrevenants sera publiée par le bureau du procureur général de New York. Ça a été un miracle pour vous dire la vérité. Pouvoir réellement obtenir une peau non animale, mais faite d'un légume, d'un champignon, quelque chose de la terre, quelque chose de naturel, c'est important. Le programme des Nations Unies pour l'environnement affirme que l'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions mondiales de carbone. En plus de cela, selon l'Association des matériaux secondaires et des textiles recyclés, presque tous les vêtements et textiles d'occasion pourraient être recyclés et réutilisés. Pourtant, 80% finissent dans des décharges. Ce qui n'est pas encore clair, c'est quel effet la loi sur la durabilité aura sur le prix des vêtements si elle est promulguée. Merci pour ce reportage qui nous rappelle, même si ça va de soi, qu'il est toujours plus intéressant de consommer utile plutôt que de rentrer dans une frénésie de consommation. C'est déjà la fin de l'émission. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous remercie infiniment de la suivre, car vous êtes de plus en plus nombreux. Un grand merci également à toutes nos chaînes partenaires, sans exception. Merci également à toute l'équipe qui nous permet en coulisses de monter cette émission, chacun un peu de son côté, mais toujours en totale symbiose. Merci, merci, merci. Et comme il est coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. V1 Africa.